Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi pour passer un bon jeudi. Tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi pour passer un bon jeudi avec CMP. Et vivez bien assuré. Wow. Le sous-marin Titan perdu au large du Titanic, toujours introuvable. Les autorités cherchent du côté de la cote de popularité d'Elisabeth Borne. Il n'y a que ça qui soit bien au fond. Apparemment, le sous-marin aurait heurté le charisme d'Olivier Dussopt, hein, le ministre du Travail, qui gisait là par moins 4000 de profondeur. Bon, enfin, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, évidemment. C'est pas, hein. Les quatre enfants qui avaient passé seuls 40 jours dans la jungle colombienne après un crash de leur avion vont bien. Et pendant ce temps-là, nos ados sont perturbés pendant des mois parce qu'ils ont un peu galéré sur Parcoursup. Ayons une pensée pour eux, les pauvres. Un crayon qui aurait appartenu à Adolf Hitler sera vendu aux enchères au Royaume-Uni. Oh bah déjà, on sait que c'est pas un crayon Waterman, hein, parce que Waterman, il ne sonne pas un petit peu juif. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, de pas du tout, rien du tout. Je recommence. À l'occasion de la sortie de son nouveau titre, le DJ Snake s'associe à la chaîne de fast-food McDo. Pour composer son propre menu. Eh oui, il va s'appeler DJ Snack. Mais bon, comme les hamburgers sont servis dans des boîtes, faire appel à un DJ, c'est pas bête. Hein. Yeah. Et puis tu peux t'enfiler les frites dans les oreilles, ça t'évitera les acouphènes. À propos d'oreilles, attention, attention, les médecins alertent sur la dangerosité des cotons-tiges. Et mal utilisés, ils seraient responsables d'otite, de perforation tympanique, de paralysie faciale. Hein. Mais moi, je croyais que tout ça, c'était à cause du nouvel album d'Ariel Dombal. Attention, éloignez les oreilles un peu chastes. Face au risque de blocage, les sites porno, YouPorn et Pornhub, n'excluent pas de se retirer de France. En hommage, une marche blanche sera organisée devant les usines Sopalin de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes avec vous. Mais si ferme ce genre de site, à des milliers de gens vont se retrouver comme dans YouPorn, hein, au fond du trou. Le porno qui fait tant pour le travail manuel, si mal consommé. Diront en France, ne l'oublions pas. Airbus réalise un record de vente, 500 avions vendus comme ça à une compagnie indienne. Réaction des écologistes. Ils sont contents, c'est cool. Enfin, la question du jour. Est-ce que dans les plateaux repas des Airbus vendus en Inde, on servira comme fromage de la vache sacrée qui rit? Vous avez 2 heures. Magnifique. Heureusement, dans 192 jours, c'est fini 2023. Ouais.